C'est par ici chez François? Oui. François Dan, c'est là? Impeccable. Allez bien, le François, sortir en ski. Oui, arrêtez. Il arrête pas. Un peu trop. Sérieux? À ce point-là? C'est un monstre. Ah bah. C'est un monstre dans la montagne. C'est un monstre. Vous partez avec lui? Bah là, je vais avec lui, ouais. Ah ouais. On va essayer de faire quelque chose. Eh bah, laissez-moi y aller. Alors, j'espère que je vais m'en sortir. Oh oui, non, mais il est bon. Faut pas lui. Ah, c'est un bon, hein. Que ce soit en ski ou en course. Super gentil et tout. C'est vraiment quelqu'un, moi, j'adore ce mec. Même elle, elle est gentille. Ah ouais. Elles sont tous gentilles, moi. Et il habite juste là-bas dessus. Eh bah. Impeccable. Puis il est bien connu dans le pays. Hein. Ah bah on l'aime, hein, de toute façon. Je suis venu pour lui prendre. Hey. Je suis venu pour lui prendre un peu des secrets de course. Non. Si si. Il y en a marre de prendre des rousses l'été. Ah oui. Donc on vient prendre un peu des secrets et on se dit, eh mais comment on va courir comme François l'été? Tu as bien raison. C'est parti. Allez, vas-y. Adieu. C'est celui-là, hein? Impeccable. Et alors? Ça va et toi? Ouais. Bon. La batterie, tu dézoomes? Ouais, il y a de la batterie. Dézoom à la bloc, trop bien. Vas-y, c'est parti. C'est bon. Sorti de ski de randonnée dans le Beaufortin. Avec l'artiste qui me suit. Mais là, pour essayer de parler un petit peu de ma façon de m'entraîner, de voir un petit peu la chose jusqu'aux compétitions de cet été. Notamment le premier gros challenge qui sera à la Western State fin juin. Donc l'idée c'est de vous montrer un peu la façon dont je passe l'hiver, dont je m'entraîne, comment je concilie tout ça avec le fait d'avoir deux enfants, d'avoir un vignoble à gérer avec mon épouse. Et surtout de ne pas avoir envie de faire de concessions là-dessus, ni de compromis, parce que pour moi, voilà, les enfants, la famille, ma vie sociale, professionnelle, tout ça, ça reste des piliers fondamentaux et que j'ai pas envie de mettre de côté. Salut à tous. Bon, bah, dernier jour de la Pyramenta, quatrième étape. Et du coup, petit échauffement sous la neige. Voilà, on peut voir. Seb, allez, on 22. On part de la quatrième étape. En plus, il y a un verre. Voilà, vous avez les deux lits derrière. Voilà. On a compris, hein. Petites images. Le Beaufortin qui est là. Voilà, bon. Un peu de stress, hein, ça rigole pas trop fort. J'espère que ça va bien se passer. Faites gaffe aujourd'hui, hein. C'est pas loin derrière. Faites gaffe, ouais, vous avez pas un si gros matelas que ça. Hein. Il va falloir se reposer non plus. Quoi. Non, l'endroit c'est quand même un peu détendu, c'est le principal. Voilà, dernier jour. On va rendre les antennes parce que là, on va enlever le filet. Aussi stupide tous les deux. C'est qui? C'est ton beau-frère? Ouais, c'est mon pote, puis après c'est devenu mon beau-frère. Et ouais, ça fait 10 ans qu'on court. Le résultat il passe pas en premier. Mais le résultat il est important, on a toujours progressé, on va pas dire que c'est pas important, on s'entraîne. Mais la priorité c'est de le faire ensemble et de vivre quelque chose ensemble. Et... Ok. Et voilà, on s'est toujours adapté en fonction des contraintes de chacun, quand on a eu nos enfants, quand on a été moins bien, qu'on a eu d'autres soucis, on s'est jamais posé la question de pas le faire ensemble. Quoi. Ok. Donc tu veux dire que ton beauf, il bosse, il est pas en grande forme, en tout cas moins que l'année dernière. Tu vas adapter ta course en fonction de ça et inversement. Et inversement, ouais. Bon, on s'est toujours dit, voilà, l'hiver pour nous, on est là pour s'amuser, pour découvrir un sport qu'on connaissait pas du tout il y a 10 ans. Et s'éclater dessus, et voilà, et aujourd'hui, bah, si on peut faire bien, on fait bien, mais
Enfin, à part mettre en cause notre équipe et ce qu'on vit à deux pour gagner 3 places, quoi. Et alors gamin, qu'est-ce que tu fais? Très bon ça. Allez. Green. À bloc. Allez François. Votre pote à la prochaine pierre ou au petit... Vous l'attendez quand même. Ça fait mieux quoi. Mais concrètement, ça veut dire quoi, moi, au niveau de ma gestion de mon temps, de mon... Bah, ça veut dire que toi, pourquoi tu veux faire ce 90 km du Mont Blanc déjà? C'est ça, ouais, qu'il faut se poser comme question. C'est, tu t'inscris, d'accord, mais est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu veux le faire et qu'est-ce que tu recherches là-bas? Bah, moi, je veux passer la ligne d'arrivée. Voilà, ouais, donc ce qui te motive, c'est le challenge, c'est de se dire est-ce que je suis capable de faire ça? Ah oui, complètement. Ouais. Mars pour juillet, tu sais quoi tes conseils là pour franchir la ligne d'arrivée d'un 90? Bah déjà, c'est est-ce que toi tu te connais? Est-ce que c'est quoi tes compétences? C'est quoi ton niveau actuel? C'est quoi ton expérience en montagne? C'est quoi ton expérience de la descente, de la montée? Qu'est-ce qu'aujourd'hui toi tu peux me dire? Qu'est-ce que j'ai comme acquis? Qu'est-ce que je sais faire aujourd'hui? D'accord. Et ensuite, en fonction de ça, bah, on va adapter pour que tu puisses franchir ta ligne d'arrivée sans être trop mal et en t'amusant. Comment concilier ça? Parce que vous aussi, vous avez des impératifs, qu'ils soient sociaux, familiaux, professionnels. Et c'est pas pour ça que vous pouvez pas vous entraîner, ni espérer terminer, ou prendre le départ, ou faire votre course cet été. Passage un peu glissant, là, quand on filme en même temps. De fin mars à début juillet, c'est quoi tes blocs d'entraînement, là? T'as prévu quoi? Passion, l'idée... C'est la même pour moi que pour toi, c'est-à-dire que fin mars, il va falloir quand même être un peu en forme pour pouvoir se dire, bon bah voilà, là maintenant il me reste 3-4 mois pour me préparer pour un objectif estival. Comment je planifie ça et comment j'y vais quoi. Donc quelles sont mes bases? Est-ce que j'ai déjà couru en montagne? Est-ce que j'ai déjà couru en descente, en montée? Est-ce que je sais courir vite sur le plat ou pas? Qu'est-ce qui me reste à travailler? Je viens de quel milieu? Je viens de quoi? J'ai fait du vélo, j'ai fait de la course, j'ai fait de la natation. C'est tout pareil. Il faut savoir sur quel temps de course, quelle filière, quelle base on est à l'aise. Et puis, qu'est-ce qui nous amuse comme entraînement aujourd'hui? Comment on peut faire en sorte que tout ça se passe bien avec la famille et avec les potes, quoi? Hey, j'en ai perdu 3, donc rouge, ça va bien dans la neige. Nicole. Ça fait la mise au point? Ouais. La mi-course, ça je tout? Ouais, c'est bon. Donc en fait, je décolle, t'as pas les skis, tu mets les skis, tu tires en bas dans la clairière et je fais des plans douche à la verticale comme ça. Je renlève mes peaux alors. Ouais, il faudra enlever les peaux, c'est vrai. Bah voilà, ma façon de concevoir l'entraînement l'hiver, c'est plutôt de profiter de la neige que de regarder la montre. Que de regarder la montre, ouais, non. Mais... Et non, voilà, enfin, la neige pour moi c'est plus fait pour glisser que pour courir. Et j'ai toujours aimé le ski et c'est vrai que bah voilà, du coup l'hiver j'en profite pour skier. Excuse-moi François, c'est pas un peu contradictoire avec les objectifs de coureur été de faire du ski pendant 4 mois? Bah ça fait 10 ans que je fais ça et voilà, c'est vrai que j'obtiens un peu ce que j'ai envie et j'ai pas forcément envie d'obtenir de plus que ça aujourd'hui, donc j'ai envie de conserver ce mode de vie qui me convient bien et puis pouvoir, voilà, le ski pour moi c'est devenu une passion aussi, ski de fond, ski de rando, ski de piste. Et chaussures, fixation, et on claque, et voilà, comme dans les films. Vous êtes bon en transition avec le copain? Très très mauvais. Ça fait 10 ans que ça dure et un jour on espère que ça va aller mieux, mais c'est notre spécialité d'être capable de se prendre une minute sur les transitions et de se faire doubler par toutes les équipes qu'on a doublées dans la montée d'avant. Non, donc en avril, suite à l'hiver, j'ai pas trop besoin de faire de volume, j'ai juste besoin de retrouver le spécifique de la course à pied et ses contraintes et les premières descentes, et bah... Même moi, je fais 200 mètres de dénivelé, le lendemain j'ai des courbatures de partout, j'ai mal aux cuisses et je me dis, mais on dirait un poussin que j'ai jamais couru quoi. Mais voilà, je le sais, et ça fait 10 ans que je fais ça, et je sais qu'au bout d'une semaine, eh ben, le corps il commence à se réadapter, et petit à petit ça revient, donc je fais pas de volume, je fais surtout du spécifique. Et fin avril, généralement, je me mets déjà une ou deux petites courses, ou même grosses courses, pour voir où j'en suis,
Et voilà, c'est pas l'objectif de mon année, jamais. Mais si je peux bien faire, bah, j'essaie de faire bien. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de tirer un bilan de compétences pour ensuite, il me reste 2 mois. Parce que là, après, 2 mois après, c'est là où j'ai mon objectif et que j'ai envie d'être performant. Voilà. Donc en descente, dans une neige comme on a aujourd'hui, l'intérêt des tout petits skis, il est moindre. Mais bon, vu qu'on a une semaine de la Pyramenta, c'est vrai que je pense que c'est important de commencer à reskier avec, avec le matériel qu'on va utiliser. C'est un peu comme dans les courses, quand vous avez une course 3 semaines plus tard, c'est important de commencer à savoir quel matériel vous allez utiliser, de se familiariser avec lui. On va dire que c'est à cause des skis, quoi. On remet dans le contexte qu'on va skier comme des luges à foin. Donc ça, ça pardonne. Ouais, mais ça, tu dis ça parce que tu prends l'excuse des skis. Mais ouais, exact. C'est un peu facile, hein. C'est comme la distance, la nutrition, l'hydratation. Et toujours une bonne excuse. C'est clair. Bonsoir. C'est parti. Le mois d'avril, c'est le moment de se placer un petit test. Donc sur, je sais pas moi, la moitié du temps de course que t'as prévu de faire, ou même un tiers, mais un peu dans les conditions de ta course, pour que tu saches où c'est que tu vas, où c'est que t'en es, et qu'est-ce qu'il va falloir faire et progresser, parce que tous les ans c'est différent, et puis peut-être que c'est ton premier ultra et que tu sais pas ce que tu dois améliorer. Donc tu te fais un petit test sur la moitié de ton temps de course ou ton ce que tu dois réaliser, et en fonction de ce petit test, et ben après on va s'adapter. Donc 2 mois avant ton objectif, c'est là où tout va se jouer globalement. C'est là où tu vas vraiment adapter ton entraînement à la compétition qui va venir. Que ce soit physiquement, que ce soit moralement, mentalement, ta préparation. C'est là où tout va s'adapter. Bah, ça veut dire que 6 mois fin avril, je me rends compte que j'ai une super caisse, que je suis en pleine forme, mais par contre que dès que je fais 2 descentes, j'ai les cuisses qui morflent, je prends des crampes et que j'ai les courbatures. Bah je sais qu'il faut pas que je retravaille ma caisse, il faut surtout que je retravaille un peu la descente, que je casse un peu mes fibres, que je les apprenne à descendre. Et voilà, mais c'est pas le plus long ça, parce que en 3-4 grosses descentes, en 3-4 exercices spécifiques, même si on n'habite pas en montagne, on se réadapte à ça. Mais l'important, c'est de l'avoir vu, de s'en être rendu compte, et puis ensuite de monter en performance, de monter en gamme au fur et à mesure de la saison, quoi. Le mois de juin, ça serait quoi? Bah, le mois de juin, c'est trop tard, hein. Ah ouais. Là, c'est fini, hein. Non, le mois de juin, ouais, le dernier mois, globalement, c'est les derniers réglages, c'est peaufiner, c'est l'adaptation. C'est-à-dire que c'est du bonheur, c'est-à-dire que t'es dans la filière que tu vas faire pendant ta course, tu t'éclates, tu fais des entraînements, mais faut plus trop que tu forces parce qu'il faut que t'arrives frais. Donc, en fait, tu fais ce que moi j'adore faire, c'est... Si tu prépares un ultra, c'est de la longue balade où tu profites, tu savoures, tu peux emmener tes potes parce qu'il faut pas que tu sois à fond. Par exemple, le mois d'août avant l'UTMB, pour moi c'était... C'est le rêve quoi, c'était le paradis, c'était les vacances quoi. Tu peux aller au Mont Blanc avec tes potes, tu fais des longues sorties de 7-8 heures en famille, tu portes tes enfants dans le sac à dos, t'as envie d'aller sur cette course, donc t'es super motivé. Et voilà, en plus tu t'interdis de boire 4 bouteilles de vin le soir parce que tu te dis que dans 3 semaines t'as une course. Donc si t'en bois qu'une, bah t'as pas la gueule de bois le matin. C'est trop facile de te lever pour aller t'entraîner. 15 jours avant, pour moi, c'est la période de repos. Moi, de 15 jours avant la course à 7 jours avant la course, c'est là où je fais rien. C'est là où généralement j'essaie de... Soit je bosse dans la vigne parce que c'est la période qui veut ça. Soit si j'ai du temps, bah... Je prends le temps de le passer avec les enfants, en famille. C'est le moment où je coupe. Et voilà, je me consacre à fond sur eux. Je garde un tout petit fond d'activité, mais genre 3 fois 1 heure ou 3 fois 20 minutes dans la semaine. Et voilà, je fais de la fraîcheur, je me motive. Je savoure le côté social que moi j'aime beaucoup. Après par contre, la semaine avant la course, j'essaye de redire à mon corps « Écoute Coco, ça fait 3 mois que tu t'entraînes. » Faut pas tout avoir oublié en une semaine, donc on s'y remet doucement, à faible intensité, mais je me refais une petite sortie qui lui rappelle qu'est-ce qu'il va devoir assumer et enchaîner dans 3 jours. Donc je me refais 2-3 heures en montagne, cool, je profite, je savoure ces derniers moments au calme avant la course, et en gros c'est une petite remise en route quoi. Trop bien, bravo. Le ton, il est super bon.